spectateurs, bonsoir. Nous vraiment contents, Rodré Lacaillou, pour nous capable présenter cette édition de la HTN. Nous avons déjà fait provision, ou qui est en chita devant écran, ou t'as veillé 8h30, depuis petite musique là fait pap, ou dit personne pas dérangé, parce que vous pourrez regarder émission qui pi ancien, émission que vous remet en pile. Et c'est première édition pour le mois de novembre. Donc, on est le mois de novembre, son mois vraiment, pour moi-même particulièrement, qui a pile importance parce que l'IFM remontait en 1803 pour Malouet, belle bataille ça, gros bataille ça, combat de Vertières. Et c'est à partir de combat de Vertières qui permettent à ce que Haïti vienne indépendant. Alors, naturellement, n'a quitté pas ça pour historien, n'a rentré dans, eh bien, menu nous, qui, ça, ou pas joindre dans le programme ça. Eh bien, ça fait 39 l'année, depuis l'église baptiste d'expression française, que pasteur docteur Emmanuel Saint-Just a dirigé, eh bien, il était clôturé par une belle fête de moisson, réveil annuel. 39 l'année, c'est pas 30 jours, 1974-2013, 39 ans. Eh bien, c'était une fête vraiment extraordinaire. Plusieurs délégations étaient là. Et comme ça, nous parlons fort vive, un extrait d'un message que pasteur Jean-Baptiste Fritzner-Boire t'a délivré. Et comme ça, on a une idée que ou t'es perdu parce que ou pas vini. Et ensuite, nous connaissons le 5 novembre aux États-Unis d'Amérique, c'est pour l'élection. Surtout élection municipale pour nommer nouveau magistrat. Gain en pile ville, eh bien, gain magistrat pour le bousquer pour être capable réélu, mais gain d'autres magistrats, gain d'autres villes, eh bien, c'est pour gagner magistrat tout neuf. Alors, c'est comme ça, nous-mêmes qui habitons dans Connecticut, plus particulièrement dans Fairfield County, eh bien, il y a plusieurs Haïtiens qui l'ont. Nous avons besoin de connaître, est-ce que Haïtiens ont un poids? Qui impact Haïtiens qui a fait dans l'élection locale ou bien l'élection municipale? Réponse là, eh bien, nous pourrons le joindre tout à l'heure parce que nous avons rencontré deux trois compatriotes qui ont délivré nos impressions. Alors, c'est deux trois titres que nous gagnons. Nous avons une pause et nous avons tout. Cloué sous quoi, mon bilan nous pas contre pour qui, si Trinité pas déterminée, c'est Lucifer qui a fait la loi, soutien dans ciel, vite sous yon quoi, sous péché pour le ban nous victoire, soutien sous quoi l'en tombeau, sous le tombeau monté en haut, pour préparer un bel palais, mais venger les hommes pour couvrir. Si moi un verre comprend pour qui, c'est là nous pas juste pour la vie. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. On dit où est-ce qu'on connaît? Pour qu'il y ait souffrir, pour qu'il y ait mourir. C'est vrai, la tournée est en quoi? C'est pour nous tous qui met la foi. Couple l'issue, pas passer. Si vous dites celle qui commandait, c'est pour tes salités mourir. Vous êtes capable de nous la vie. Chichi qu'on est avant trop tard. Pour nous pas perdre nos filles noires. Est-ce qu'il connaît? Pour qu'il y ait
chemin. Oh, la vie nous cherche, yo. Téléspectateurs, après tu poses, nous pouvons rentrer, nous pouvons avoir un extrait de message que Pasteur Boire t'a délivré dans le cadre 39e fête de moisson qui était faite dans l'église baptiste d'expression française de Stanford. Alors, Youn Nabagay, nous devons signaler à l'attention de téléspectateurs, nous. J'ai toujours dit qu'un vrai leader, ce n'est pas un monde qui concentre toute bagaille dans mêle, c'est un monde qui fait des adeptes. Et je suis capable de dire, parmi plusieurs pasteurs qui étaient là, et c'est avec beaucoup de fierté que Pasteur Saint-Just t'a introduit une série de pasteurs, soit qui étaient anciens ancien élèves dans l'école biblique, soit c'est yo qui était membre dans l'église côté que il était fait des ouvertures pour monsieur Sayo t'a l'apprendre et bien t'a rentré dans le sacerdoce, t'a rentré dans le ministère et qu'on y a là monsieur Ovin pasteur et yo toujours très soudé, très solide avec solidaire avec pasteur Saint-Just. Alors sans vous faire trop attendre et en garder un extrait de comment ça t'y. Et après-midi encore, nous avons le privilège pour nous venir comme porte-parole du Seigneur, le pasteur Jean-Baptiste Frisner Bois. Il est avec nous ici depuis dimanche. Il est passé toute semaine avec nous ici à Stanford à dispenser la parole. Pasteur Frisner Bois est un fils. Il est un frère. Il est un confrère. Il est un brillant orateur. Il est un maître du verbe. Et par-dessus tout cela, il est un serviteur du Seigneur. Un prédicateur de l'Évangile. Et c'est avec fierté que nous présentons le pasteur Frisner Bois pour le message de la parole de Dieu. Nous allons écouter attentivement si vous écoutez certainement ou à bénir ou à édifier et parole du Seigneur va changer vous. Avec vous, pasteur Frisner Bois. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je remercie le ciel d'être ici pendant cette semaine et pour pouvoir proclamer les oracles de Dieu dans toutes ces dimensions. Et ce matin encore, j'ai l'honneur, puisque je suis chez mon professeur, je crois qu'après ce dernier message, il va justement me faire le texte à savoir quel point que j'ai eu. Puisque au séminaire, j'ai été toujours un brillant élève qui n'a jamais connu ce qu'on appelle C+. Bon, j'espère que le ciel a déjà pris note et que Pasteur Saint-Just sera juste dans sa session. Voilà. Je suis heureux de revoir deux pères. Qu'on est moi ici à manger sous table. Honey, I don't understand what's going on. What's going on, honey? But I believe the last night don't enough of cheese. What? Oh, there's not enough cheese in the macaroni. Oh, what? They begin to love the macaroni au gratin. C'est quoi celle-là ou macaroni? C'est là où fait viande et puis l'on fait tout, fait le bébé 4 timos au macaroni. C'est 4 timos pour 15 stops et puis on l'a gagné là. C'est chaque fois qu'on brush macaroni, mais vous n'avez pas de macaroni, vous avez dit que c'est cheese qui manque. Ou de fromage?
Dieu dort. Et nous devons réaliser que ça, mon Dieu, fait dans la vie, nous. L'éditif, nous, pour nous honorer avec bien, pour nous porter prémisme avec revenu, hein. Puis, une raison. Et Ézéchias appliquait exactement parole, là. Et depuis le film pour appliquer là, la Bible dit que tout le monde mangeait bien, vente des boutonnets, et puis tout le monde gagnait les terres. Bénédicte. Vous voulez attirer l'attention. L'autre Haïti, pas de monde qui est marchand d'eau. Parce que vous n'avez pas de valeur. Mais dès que vous entrez ici, bon Dieu, traversez-vous. Moi, j'aime bon Dieu, je vais bien attendre comme on vient. Si c'était dans ce baptiste, petit frère, il y avait connu si son cousin, il y avait connu si c'était marié à tonton, il y avait connu si c'est bâti bon tes grands, il y avait connu si c'est un bâti qui fait passer, c'est un bagage qui disait pendant tout le temps ça, moi protégé. Mais à partir de jeudi, il a songé pour ben moins. Parce que l'emba ou, il faut ben moins. Haïtien tellement il y a un problème. Même nourriture, nous devons jouer en Haïti, le cramisier, pas travail. Nous ne connaissons pas faire la caoubon toujours des chaudière et la caoubon, c'est rarement chaudière montée. Il n'y a pas qui est pour faire cramisier, c'est à faire. Des fois, nous commençons à midi, nous avons la caoubon sous le bouton là. Des fois, nous disons cramisier. Et nous ne pas répondre pas travail, plat manger pour lui. Mais le bon Dieu, bah, moi, j'aime mon Dieu. L'El Barou, ce n'est pas lui-même qui a marché, dit le Barou. Mon qui a eu, lui, ouais, yo Barou. Mon qui a fait complot sous eux, yo ouais, bon Dieu, Barou. Mon qui va faire prophétie mal sous tête, yo ouais, bon Dieu, Barou. Et mon qui a parlé en plus, yo ouais, bon Dieu, Barou. C'est ça que fait l'El, bon Dieu, Barou, li Barou, net. Mon raï, yo, le Barou, net. Mon parle au mal, li Barou, net. Laisse-moi dire comme un bon haïtien. Reconnais, chaque connaît, bah il m'a y apprêté là, au nom de l'Éternel, ma taille est en pièce. Dieu donne. Et il y a plusieurs aspects de donner à Dieu. Nous pas capables de chiche, parce que Dieu vit dans la vie. Il fait nous sentir présence. Et n'importe là, si vous voulez comprendre, moi, cherchez tes photos, tes faits, tes petits. Et bien, avec tes photos, je vous dis, ou après, ménager ma choua, ou ménager le stomac, et puis, là, je dis, mais mon petit pipi, rite, t'es posé plus passé. Sauf qu'on a quand sorti, pour qu'on puisse apprécier, quand je vous dis. Je voudrais extrapoler un petit peu, à savoir, contourner à travers la Bible des exemples figuratifs. À savoir, des hommes et des femmes dans le passé qui donnent en retour à Dieu. Premièrement, Abraham, dans Genèse chapitre 22, du verset 5 et 6. Puisque c'est bon Dieu bali, il y a cette nécessité. Le bon Dieu m'a dit en retour, il tient à ce que lui restituer ce qu'il y a Dieu. La Bible dit que bon Dieu m'a dit Abraham pour lui offrir les petites liguer en sacrifice. Abraham n'a résisté. Alors que il n'a pas parlé de prémices, il n'a pas parlé de revenus, il n'a pas parlé seulement de tout ça le posséder, bien. Et qui sa serviteur a dit, il dit que restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-haut pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Tombé, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne va pas arriver à la mort. Mieux vaut qu'est-ce que l'Éternel, c'est lumière, moi. C'est lui-même qui sauve moi. Il s'aime. L'Éternel, c'est lumière moi, c'est lui-même qui sauve moi. Il s'aime bien pour ta paix.
l'Éternel a pesivé moi. L'Éternel s'est bergé moi. C'est lui-même qui a pondu moi. Qui s'amène pour me taper, l'Éternel a pesivé moi. Même si a fait la vie ou moins, sans couillon pour de Seigneur. Non, non, papa, moi l'Éternel, ma bien la vie, toi, Seigneur. Nous connaît que c'est pas l'élection. On croit que ou déjà ou te recevoir et quatre de votes qui n'a qui district n'a qui côté que ou pral rempli de voix civique. Nous dit nous répétait que grand pile haïtien qui fait aux citizens tout d'abord c'est pour yo voyer chercher parents yo qui vivent en Haïti. Deuxième bagaille que citizenship la barou, lui permettent que ou joigne une série de avantages que pays a offri, peut-être si ou t'es résidé ou pas t'a joigne. Mais une pig gros bagaille que leur citoyen dans pays États-Unis li barou, li faut participer dans processus démocratique là. Li fait que droit de vote ou a avec un bulletin ou capable de changer l'ordre des choses. Ou capable de comprendre, je dis à un douagon monde qui candidat, selon Jean qu'on dit Bakli, eh bien, population ou dans la ville que la vive là, ou bien dans le pays, il doit décider, moun ça, nous pas satisfait
de job li, nous pas satisfait de travail li, eh bien, nous pas pas le bail coup d'état, nous pas pas le mandé pour l'aller, nous pas pas le faire craser briser, nous pas pas le voyer wash, mais nous connaît gon kafou, kafou pèt parole ça, eh bien c'est kafou élection. Et c'est comme ça aux États-Unis, toute bagaille yo fait, eh bien c'est à travers les unes yo fait pétition et pétition, que des fois qu'on fait pétition et pétition qu'on mandé à pour yo capable faire élection. Et c'est ça y aurait les démocraties, c'est ça y aurait les maturité politique. Alors pour un pays qui prend indépendance longtemps. Cependant, eh bien exemple ça que les États-Unis offrit, eh bien nous parouel la caïnou et surtout dans le mois de novembre côté que n'a célébré, n'a commémoré ou qu'aucune chaîne victoire, c'est le combat de Vertières, côté que l'armée indigène t'a remporté plus grande victoire li, sous l'armée qui était plus puissante sous la terre. Et l'armée qui est plus puissante sous la terre actuellement, là, dans le 21e siècle là, que Haïti a traversé, eh bien, c'est l'armée que nous relais malnutrition, c'est l'armée que nous relais analphabétisme, c'est l'armée que nous relais, eh bien, monde pas qu'à manger, sous-développement, misère, pauvreté, manque, et c'est année tout que nous relais division. Si yon pi bel bagay que, eh bien, héros nous yote accompli, Dessalines Pétion yote réalisé pour yon capable battre pi gros la me sous la terre, fok yote mette tête yon ensemble. Et c'est comme ça, yon fait 18 novembre, et 18 novembre accouché, 18 novembre enfanté, ça nous capable dit 1er janvier 1804 qui fait que non bab eh bien nouvelle ordre mondial là te vinn gagner ou nation libre qui relait Haïti. Mais malheureusement exemple ça n'est pas suivi par eh bien politiciens et acteurs non en Haïti et n'est pas même suivi par deux trois monde. Eh bien, deux, trois groupes moun qui nan communauté, qui nan diaspora, parce que là, il a toujours dit ça, depuis Haïtien mette tête ensemble, eh bien, gan pile bagay qui capable fait, gan pile miracle qui capable fait. Et c'est comme ça, eh bien, pral gen élection, en pile moun a décidé à préparer pour aller voter, nous te posé à deux, trois moun que nous te rencontré, nous te font mini micro-trottoir, nous te font mini sondage, pour nous te poser aux questions qui impactent, eh bien, vote haïtien capable de gagner dans l'élection municipale, dans l'élection locale. Et mes amis, prêtez oreilles, entendez tour à tour qui ça, eh bien, deux, trois mouns ça, je te dis. Il y a nous avec nous là, Sœur Mireille Orminé, et nous connaissons que c'est une qui font pile bon travail dans ce clan. Et nous connaissons que pour avoir une élection aux États-Unis pour magistrats. Alors d'après vous-même, nous connaissons aux États-Unis chargés haïtiens, surtout dans la zone Stanford, Norwalk, Bridgeport. Qui est important, c'est une élection comme ça, gagner pour haïtiens. Tout d'abord, je voulais saluer tout le monde dans la communauté haïtienne, dans la Connecticut. Importance élection pour la communauté haïtienne, non? Bon, je ne vais pas dire la Connecticut seulement, mais tout partout. Le problème moi avec parole élection, c'est que les Haïtiens ont réellement vrai si ce n'est pas une élection présidentielle, ils n'ont pas déplacé pour y aller voter. Mais là, c'est pour un président, ils ont déplacé pour y aller voter. Mais pour magistrats, sénateurs, les Haïtiens pas tellement déplacé. Je ne pas dire qu'ils n'ont pas supporté, non, c'est une négligence tout. Pour qui ça? Négligeons ça. C'est parce que c'est chaque fois qu'il y a une élection pour moun sa yo, y a cherché côté haïtien pour haïtien voter pour yo. Et Wisma Abdou ça c'est expérience faite, l'or fin voter pour moun sa yo, moun yo gen élection yo, ou pas attendre encore. Ou pas voyon encore. Ou besoin support, ou besoin information, mais ou pas attendre moun sa yo. Ou pas konn côté pour aller pour joindre avec yo tout. Il est bon vraiment pour haïtiens déplacer pour aller voter parce que nous mêmes haïtiens nous connait ça nous voulait nous mêmes haïtiens nous connaît qui monde cap supporter nous tout bon vrai quel que soit Jean Bagalaye mais pour qui ça monde ça
yo pas visité nous avant. Mais est-ce qu'on pas penser ce Mireille, est-ce qu'on pas penser tout c'est parce que nous pas organisé qui fait ça fête là? On pas dit nous pas organisé non parce que haïtien les pour yo mettre main ensemble. Yo mettre main ensemble. Les pour haïtien saute dehors, yo supporter, yo saute dehors. On t'a dit son négligence. On pas dit c'est pas et pas question de nous pas nous toujours dit nous pas organisé mais les gain un problème pour haïtien camper. Yo tout yo camper vraiment. Son négligence lié. Vous comprenez pas le fait que ou pas senti moun yo réellement vrai, y a supporté communauté haïtienne. Vous comprenez c'est pour élection seulement. Ouais, yo cherche ouais avec nous. Mais après élection, ou pas moun yo encore. D'abord, moun nan vini li nan santan li de comme ça, on bral et poser candidature. Première fois ou prend ouais visage moun nan. Après élection, quand ou ouais yo, ou pas ouais yo encore. Expérience faite. Yo vini nan santan, yo parler ta, yo passer dans élection, mais après ça, ou pas jamais ouais yo encore. Eh bien, c'est bien nous dit merci oui. Bon, nous rencontrons avec Fanel. Fanel, c'est lui-même qui est responsable d'un office tout neuf qui est le CID, Centre pour immigrants et développement. Alors, nous connaissons que dans les États-Unis, pour aller gagner élection pour magistrat. D'abord, vous-même, qui impact, qui importance élection ça a gagné pour Haïtiens et qui impact votre Haïtien qu'a fait dans l'élection municipale ça? Bon, m'a tout d'abord salué tous les amis téléspectateurs, bien content pour l'opportunité ça. M'a dit que c'est moi-même qui est directeur exécutif Center for Immigrant Development, un centre qui est là pour offrir une assistance qui tout entière à la communauté haïtienne et tout, en fait toute communauté, mais surtout haïtienne. Pour répondre à la question, m'a dit que l'élection municipale est très important pour haïtiens participer là-dedans parce que magistrat c'est même qui en fait qui prennent pour service social pour programme sociaux pour travail pour genre de bagaille qui atteignent nous en premier et so, haïtien tu as supposé participer dans l'élection ça pour nous supporter monde que nous ouais qui en faveur problème nous en tant que haïtien nous connaît que une bagaille qui important pour nous autres haïtiens c'est problème housing il y a problème comme si et kay nous connaissons que surtout dans Stanford côté que kay il y a pas augmenté ça veut dire que ça dit au niveau prix ça veut dire que magistrat là il fait des programmes ou des lois ou du moins des policies qui favorisent genre de bagaille ça qui permet que lorsque vous développement a fait dans commune yo fait provision pour gagner maison qui ou bien appartement qui dans des prix qui abordable pour haïtien yo. Et puis ensuite programme l'autre genre de programme dans niveau pour aider communauté nous dans niveau délinquance juvénile qui pour aider jeunes nous dans niveau éducation qui vous permettre que aider jeunes nous une bonne genre éducation ça veut dire que magistrat ça qui en faveur ou du moins candidat ça qui en faveur genre de programme ça c'est eux même qui t'a supposé intéresser nous autres haïtiens pour nous voter pour eux pour permettre que communauté nous joigne ça au besoin et grandit et en fait atteindre objectif yo en tant que communauté. Alors Fanel, les dernières questions. Est-ce que nous capable parler, nous contenter dans la radio, dans la télévision parler de vote panyol, vote africain-américain? Est-ce que nous capable parler de un vote haïtien? Et si un vote haïtien, est-ce que vote ça a changé momentum ou élection? Certainement un vote qui a fait un changement. Ça veut dire que si haïtien est groupé en communauté, c'est-à-dire que nous exprimer et ça que nous désirons atteindre par voie nous ça veut dire que nous avons fait passer et ça que qui est important pour nous priorité nous ça veut dire que même j'ai parlé de vote africain américain j'ai parlé de vote panyolio yo qu'a parlé de vote haïtien même on voit que problème qui fait que yo beaucoup peut-être qu'a mettre accent c'est à cause du fait que haïtien nous pour grouper nous assez c'est-à-dire que nous beaucoup qu'a identifier nous en tant que communauté qui unie. Mais lorsque ça fait, il y a identifié vote haïtien en tant que vote haïtien, même j'ai identifié vote africain-américain, non, vient vote spanish.
Alors Fanel, nous connaissons que vous sont spécialistes dans les affaires immigration. Et est-ce que vous êtes capable de faire une idée, même si ce n'est pas exact, à combien estimez les Haïtiens qui naturalisés, qui citizens, qui capable, qui ont droit de vote dans Fairfield County, dans le nord, vous comprenez? Bon, je ne vais pas les spéculer, vous comprenez? Cependant, nous avons estimé les dans les on 10 000 haïtiens comme ça, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a plus haïtiens qui naturalisent. Parce qu'il n'y a pas vraiment sorti pour qu'on ait. Mais c'est pendant qu'il y a plus haïtiens qui naturalisent dans Fairfield County. Et même si tu apprends Fairfield et New Haven County, il y a plus haïtiens qui naturalisent. Bon, on se dit comme ça qu'on vote créer un peu de différence. Mais pour quelle raison qui fait que haïtiens n'ont pas jamais gagné dans l'élection, dans le niveau local, aucune représentation? Et qui ça fait ça? Là, on parlait de représentation, on parlait d'un candidat haïtien. Oui, à un niveau ou à un autre. Pas magistrat, mais à un niveau ou à un autre. Siéger dans le board, par exemple. Bon, j'ai l'impression que ça a privé. Quand nous songeons, il y a quelques années, Pierre d'Haïti, qui a émergé, qui était candidat. Dans l'élection, tout ce fait dans Stanford, nous avons un haïtien, un avocat haïtien qui était candidat. Je crois que deux haïtiens sont candidats. J'ai l'impression que ça a privé, mais là, probablement, il y a un peu de travail, comme si au niveau en communautaire, travail, ça y a les grassroots work qui sont supposés être faits au niveau communautaire pour permettre que nous non seulement identifier les gens qui qualifient, les gens qui sont capables de remporter l'élection, mais il y a un travail qui est fait pour nous regrouper nous davantage. Nous avons un problème au niveau communautaire, c'est que nous manquons. Unis nous. Et c'est dans l'unité qui permet que nous sommes capables de joindre un candidat qui émerge, un monde qui qualifie qui émerge, et qui permet que nous sommes capables d'identifier un monde que nous connaissons qui nous voyons, soit dans City Council, ou bien dans Board Education, ou bien dans magistrat, ou bien dans State Representative, ou bien dans le Sénat, genre de bagaille. Ça a privé, je suis certain que ça a privé, mais le Parlement a demandé le travail pour la presse, ou même. Et puis l'autre monde qui est dans la communauté qui travaille. Alors Fanel, sur notre salle, nous vous merci. Merci en pile et bien content pour l'opportunité. Don't.
attendez avec nous, M. Edgar Saint-Louis, nous allons prendre l'opinion sur l'élection pour magistrats qui est pour le faire dans plusieurs villes aux États-Unis. Alors, qui est l'importance d'après vous-même, M. Edgar, qui est l'importance élection pour magistrats gagner et pour nous-mêmes haïtiens? Bon, frère Mabzo, bonjour et merci pour l'opportunité ça que vous accordez moi pour me capable parler avec confrères nous qui vivent pas bon ici dans le pays États-Unis. Et je salue tous les téléspectateurs qui regardent la chaîne. Je encourage tout le monde pour commencer. Pour me dire, nous parlons des élections, mais nous sommes dit plus bas, nous parlons des maires en principe. Parce que si nous regardons la communauté, nous avons besoin de participer. Et ça nous remarque, nous-mêmes haïtiens, nous manquons de participer dans l'élection. Nous connaissons des conditions qui pour remplir pour on est capable de voter, on est capable de dire ça, mais dans les conditions qui pour remplir, il y a grand pile de monde qui remplit les conditions, mais il n'y a pas allé participer vraiment. Et c'est un bagage. Puis devant, les nappes vivent au jour le jour, ils ont posé un problème tôt. Vous avez parlé de remplir les conditions, ça vous le dit pas là. L'homme dit remplir les conditions, c'est-à-dire que participer, premièrement, des vous citoyens américains ou éligibles ou capables pour voter, arrêtez camper, inscrit, cherchez un côté ou inscrit dans le bureau que vous mettez pour ça. Dans n'importe parti. Dans n'importe parti, il n'y a pas besoin républicain ou démocrate et ou inscrit. C'est ça qui est le premier. Vous avez inscrit pour commencer. Après ça, nous faisons choix. Bon, Edgar, vous avez toujours attendu dans la radio, dans la télévision, que des fois vous parlez de vote espagnol, vote africain, américain. Mais d'abord, est-ce que nous sommes capables de parler de vote haïtien? Eh bien, mon frère Mabdou, ça, nous ne sommes pas capables. Parce que pour commencer, moun yo pas, tant que ça me dit d'aller, pas rempli de voix. Des fois, on grain moun voter, ou pas besoin qu'on ait qui ça m'a fait pour qui moun m'a voté, pas pour qui est-ce. Mais on nous rassemble, nous, on nous fait communauté pour commencer à faire tant de voix. Pour le faire tant de voix, tant que ça parle de ça, l'autre communauté, les, quel dépanyol, quel ont l'autre nation, les yon gomba gaya brigle, y a les non-services concernés, yon recevoir, c'est parce que yon regroupé, yon fait tant de pour commencer. Yo rassembler ensemble pour yo participer, c'est ça nous avons commencé avec mon de dit d'aller. Mais nous-mêmes nous besoin faire ça pour nous commencer, c'est par exemple dans l'église yo, dans toute communauté, dans activité n'a fait, c'est pour nous faire force pour nous capable premièrement voter, ça nous les participation. Et l'en fin faire ça pour nous capable dit nous gagne un groupe haïtien tout. Par exemple, nous gagne de nom, mais pas jambe fonctionnel vraiment parce que quoi faire un bagaille bah qu'on est quoi font bagay, on vient manquer poids parce que tout le monde va mettre tête ensemble. D'après vous, mais est-ce que quand il y a haïtien qui citoyen qui citizen dans zone Stanford, Norwalk, Bridgeport et Latrier? Mon cher, je suis capable de dire malgré une pas chercher statistique là, mais nous avons si nous avons mettre tête ensemble pour nous faire entendre nous. Et tant que question ça pose dans c'est une très belle question et faire entendre nous, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs façons que nous ca faire. Parce que nous vivons dans la communauté, capable de un problème qui pose, ce n'est pas manifester, à faire manifestation, camper, dire contre ça. Nous avons le droit pour nous manifester, nous avons tout le droit parce que c'est un pays vraiment démocratique que nous vivons, mais nous ne parlons pas comme ça pour commencer. C'est nous-mêmes, regrouper nous, qui ça nous vient en dedans, ça nous voulait faire passer. Parce que nous avons tout le monde, nous avons nous-mêmes qui avons levé, nous avons le droit pour tout le monde, nous avons le droit pour nous, nous avons des choses qui sont bonnes pour nous au jour le jour et pour demain. C'est regrouper nous. Gain assez si nous t'amener tête nous ensemble et les nous dit n'a pas fait un bagaille même j'on qu'on gain comité gon groupe qui regrouper ensemble que l'autre nation mais haïtien tout nous ka faire. Nous ka faire nous fait un bagaille sérieux et puis pour nous faire passer voix nous. Que problème dans ces problèmes pas que ce problème pas que son problème commun un problème pour nous toutes il ka passer. Mais d'après vous même ou dit gon bon valeur haïtien qui citizen dans Taouanan, dans Stanford, Norwalk, Bridgeport. Mais d'après vous-même, ou pas, nous pas des haïtiens même qui représentaient nos Kenbod. D'après vous, est-ce que vous pensez que c'est un bagage qui a réalisé un jour comme ça? Ce n'est pas impossible pour le réaliser. Mais comme nous sommes deux, il faut commencer avec nous. Il faut faire base là. Nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas peut-être aller pour me dire que nous créer, nous ne pouvons pas aller pour faire pour compte. C'est vous-même parce que vous faites un travail qui est très valable dans la communauté. Vous ne pas comprendre ça. J'ai commencé là, ou avez en bas nos bases tout. Avec micro ça ou accorder mon opportunité ça aujourd'hui hein li pour l'autre monde tout pour l'autre confrère yo c'est nous tous qui pour mettre ensemble qui pour
faire voir nous passer. Leur arrivée pour nous aller, c'est toujours avec un regret, avec les larmes aux yeux que nous avons quitté. Nous dit tout le monde merci qui t'a gardé choix. Pas oublier à remplir le devoir civique, aller voter. Et nous avons dit à deux, trois personnes qui supportaient nous, nous avons dit un gros merci. Alors, c'est sur notre ça, nous quitter où. Nous avons salué deux, trois amis, nous avons salué Clozel, nous avons salué Madame Myrtille Joseph, nous avons salué Madame Pasteur Saint-Just, nous avons salué Pasteur Franck et nous avons salué toute la communauté à la Rhône Badet. Alors, nous prenons congé de vous, nous disons bonsoir, nous avons l'autre, si bon Dieu bon nous la permission. Oh yeah, 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 oh yeah